Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente Les Enquêtes de Sherlock Holmes. Une production de Maurice Renault, réalisée par Abderisker, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, l'entrepreneur de Norwood. Ici Maurice Renault. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ce n'est sans doute pas par hasard que Conan Doyle a situé à Norwood l'enquête de Sherlock Holmes que vous entendrez dans un instant et qu'il l'a intitulée « L'entrepreneur de Norwood ». C'est en effet dans cette localité qu'il s'installa en juin 1891, peu de temps après le séjour qu'il avait fait à Vienne en compagnie de sa femme, pour y étudier la médecine de l'œil, car il songeait alors à se spécialiser comme ophtalmologiste. Il se plaisait beaucoup dans sa coquette habitation de Norwood, située dans un paysage semi-campagnard où il pouvait respirer l'air des lointaines collines du Surrey. C'est là qu'il écrivit les 6 nouvelles qui devaient composer la deuxième partie de son premier recueil, Les aventures de Sherlock Holmes, où figurait, entre autres, le diadème de Berry que vous avez précédemment entendu. Dans l'entrepreneur de Norwood, vous trouverez un exemple typique d'un des dons de Sherlock Holmes, son habileté à tirer des conclusions de l'examen d'un document écrit. Avant de passer la parole au Dr Watson, je voudrais répondre à de nombreux auditeurs qui nous ont écrit pour nous demander de quel morceau était extrait l'air d'orgue de Barbarie qui nous sert d'indicatif. Il s'agit, chers auditeurs et auditrices mélomanes, d'un air original qui a été composé spécialement pour l'émission Les Enquêtes de Sherlock Holmes par Daniel Janin. Cet air sera édité incessamment et sera également enregistré sur disque sous le titre « La complainte de Baker Street », Baker Street étant, comme chacun sait, la rue où habitait Sherlock Holmes. Et maintenant, à vous, Dr. Watson. Bonsoir, mes chers amis. C'est le Dr. Watson qui vous parle. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de l'assassinat de Jonas Holdacre, entrepreneur à Norwood. Norwood est une petite commune située dans la banlieue de Londres. C'était en août 1888. Ce matin-là, je venais de sortir de ma chambre et je trouvais dans le salon mon ami Sherlock Holmes en train de prendre son breakfast. Bonjour, Watson. Bien dormi? Oh non. Et vous? Pas très bien. Comment voulez-vous qu'avec une chaleur pareille, un Britannique puisse dormir? Ça va bientôt faire un mois qu'il n'est pas tombé une goutte de pluie. Hein? Quoi de neuf dans le journal? Rien, sinon que notre ami Lestrade, l'as de Scotland Yard, se trouve depuis cette nuit devant une nouvelle affaire. Lisez. Au cours de cette nuit, la commune de Norwood a été le théâtre d'un fait divers, en apparence assez banal, mais dont la cause est probablement un crime monstrueux. Vers minuit, les pompiers ont été appelés pour tenter d'éteindre un incendie allumé sous un monceau de pièces de bois entreposé dans la cour de M. Jonas Holdacre, entrepreneur charpentier. Malgré les efforts de 2 équipes, le feu n'a pu être maîtrisé, mais ses possibilités d'extension étant nulles, on a renoncé à lutter contre cet incident heureusement localisé. C'est une affaire comme beaucoup d'autres. Non. Non, car si vous lisez plus loin, vous verrez que l'entrepreneur a disparu. Voilà qui est mieux. Son lit n'était même pas défait. Par contre, on a trouvé dans la chambre son coffre-fort ouvert et des papiers éparpillés. Manifestement, il y a eu bagarre. Et l'on a relevé des traces de sang sur le sol et sur une canne à tête de serpent qui appartiendrait à un visiteur qui est venu dîner avec lui. Lestrade a trouvé également des marques permettant de penser que le corps du pauvre homme a été traîné jusqu'au tas de charpentes auquel l'assassin aurait mis le feu. Les pompiers et la servante affirment qu'il se dégageait du bûcher une forte odeur de chair grillée. Voilà de quoi amuser Lestrade un bon bout de temps. Oh, voilà quelqu'un de pressé. Ne vous dérangez pas, j'y vais. Monsieur Sherlock Holmes. Oui. Pouvez-vous me recevoir tout de suite? Entrez, je vous en prie. Que se passe-t-il, monsieur? Le docteur Watson. Vous pouvez parler devant lui sans crainte. Monsieur. Monsieur Holmes, je viens vous demander votre aide. Je suis sur le point d'être arrêté. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Alors qu'avez-vous à craindre? Mais tout. Toutes les apparences sont contre moi. Il n'y a que vous pour me tirer de là. Alors, ressaisissez-vous et expliquez-vous. Hier soir, j'ai été dîner chez M. Holdacre, entrepreneur à Norwood. Oui. Je suis resté si tard que je n'ai pu regagner Blackheath où j'habite et je suis allé coucher à l'hôtel. Et ce matin,
Enfin, tout à l'heure, avant de reprendre le train pour Londres, j'achetais le Daily Telegraph. Et j'ai lu que M. Holdacre avait été assassiné. Et la police croit que l'assassin, c'est moi. Je suis innocent. M. Holmes, je vous le jure sur la tête de ma mère. Je viens me mettre sous votre protection. Il y a tant d'erreurs judiciaires. Allons, calmez-vous. La police a déjà pris contact avec vous ? Non. Mais depuis Norwood, je suis filé par un policier. Ça, j'en suis sûr. Pour moi, on n'attend plus que d'avoir établi un mandat d'arrêt pour me mettre la main dessus. Oh, tenez, ce sont eux, j'en suis sûr. Voyons, du calme. Allez voir, Watson. Oui. Tiens, bonjour, Lestrade. C'est Lestrade. Entrez, mon vieux. Bonjour, monsieur Holmes. Vous, pas un geste où je tire. Mais... Vous êtes bien John McFarlane ? Oui. Au nom de la reine, je vous arrête. Sous l'inculpation d'homicide volontaire sur la personne de monsieur Jonas Holdacre, entrepreneur à Norwood. Ce n'est pas moi, je vous jure que ce n'est pas moi. Policeman, avertis-moi cet homme. Bien, chef. Un instant. Vous êtes chez moi, Lestrade. Ne l'oubliez pas. En outre, monsieur est mon client. Votre client ? Oui, il est venu me demander assistance et j'ai accepté. Je vous souhaite bonne chance. En tout cas, ni vous ni moi ne sommes à une demi-heure près, n'est-ce pas ? J'allais prier monsieur McFarlane de me dire tout ce qu'il sait. Nous sommes suffisamment amis, je pense, pour que vous acceptiez d'entendre sa déposition ici en ma présence. Soit, vous avez rendu tant de services à Scotland Yard, monsieur Holmes, qu'il m'est difficile de vous refuser quelque chose. Mais attention ! La loi m'oblige à avertir cet homme que tout ce qu'il va dire pourra lui être imputé à charge. Entendu. Je vous accorde une demi-heure, pas une seconde de plus. Merci. Monsieur McFarlane, nous vous écoutons. Voilà, messieurs. J'exerce dans la cité la charge d'avoué. J'ai 27 ans et j'habite chez mes parents à Blackheath. Hier, vers 3 heures de l'après-midi, mon secrétaire fit entrer dans mon bureau un monsieur d'une cinquantaine d'années, au visage sympathique. Je peux même dire qu'on lit dans ses yeux une grande bonté. Il boit assez fortement et s'appuie sur une canne. Monsieur McFarlane, je suis navré de vous déranger, mais j'ai tout lieu de croire que vous me pardonnerez quand vous connaîtrez le but de ma visite. Je vous en prie, asseyez-vous. Je m'appelle Jonas Holdacre. J'ai à Norwood une entreprise de charpenterie. Et je suis un ami d'enfance de votre mère. Ah oui. Comment va-t-elle ? Admirablement, je vous remercie. Peut-être vous a-t-elle parlé de moi ? Non, jamais. Ah. Pour ne vous rien cacher, je vous demande de ne pas prendre cet aveu en mauvaise part. J'ai été très amoureux de votre mère. Nous avons grandi ensemble. Nous habitions des maisons contiguës. Quand j'ai eu 22 ans, je l'ai demandé en mariage. Mais elle m'a préféré votre père. Oh, je l'ai comprise. Belle comme elle était, comment aurait-elle pu songer un seul instant à faire sa vie avec un boiteux ? Ma seule consolation a été de savoir qu'elle a été heureuse. Je ne me suis jamais marié. Et j'ai cherché dans le travail le dérivatif dont j'avais besoin. J'ai réussi dans les affaires. Et voici qu'aujourd'hui, monsieur, un peu plus de 50 ans, je me trouve au bord de la tombe. Comment cela ? Mon médecin est un vieil ami. Je lui ai demandé de me parler franchement. Mon mal a fait des progrès effrayants. Je n'en ai plus que pour 3 mois, 6 mois. 1 an, peut-être. Mais ce sera tout le bout du monde. Il faut voir d'autres médecins. Une erreur est toujours possible. Oh, je sais à quoi m'en tenir. Mon mal ne pardonne pas. Et la médecine est hélas impuissante. Alors, voilà. Vous vous appelez John, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. John, vous êtes l'enfant que j'aurais aimé avoir. Je vous ai suivi de loin. Vous êtes honnête, intelligent, travailleur. Je voudrais vous léguer ma fortune. Je sais qu'elle serait en de bonnes mains. Mais, monsieur... Oh, ne me dites pas non. Je suis seul au monde, et si vous me permettiez d'aider à votre bonheur... C'est moi qui vous en remercierai. Je ne sais si... Dites oui, et je mourrai content. Excusez-moi, monsieur, mais tout ceci est tellement inattendu. Vous ne me refusez pas ce plaisir. C'est aussi beaucoup à votre maman que je pense. Vos joies doivent la rendre tellement heureuse. Vous acceptez, n'est-ce pas ? Puisque tel est votre désir... Ah, merci. Tenez, voici des papiers. Un peu gribouillés, un peu chiffonnés. C'est mon testament.
Je vais vous demander de bien vouloir l'établir sous une forme légale. Je le signerai immédiatement et tout sera bien. On n'en parlera plus. Un peu abasourdi, je dois le dire, j'ai rédigé le testament en bonne et due forme. Et M. Holdècre l'a signé en présence de mon secrétaire qui servit de témoin. Avez-vous les feuillets que vous a remis votre bienfaiteur et sur lesquels vous vous êtes basé pour établir ce testament? Oui, les voici. Merci. Continuez, nous vous écoutons. Quand tout fut terminé, M. Holdècre m'a invité à dîner. Venez à Norwood pour 8h30-9h. Nous dînerons tranquillement. Puis je vous montrerai toutes sortes de papiers que maintenant vous devez connaître. Des titres de propriété, des baux, des hypothèques, des valeurs. C'est entendu, je compte sur vous. Très volontiers. Quand mes parents vont apprendre la nouvelle... Ah non, 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 je vous en prie. Non. J'ai horreur des démonstrations. Non, pas un mot de tout cela à vos parents. Pas avant ma mort, en tout cas. Vous me le promettez, n'est-ce pas? Je vous en donne ma parole. Monsieur Holdècre parti, j'ai envoyé aussitôt un télégramme à mes parents, à Black Heath, pour leur dire que je ne rentrerai peut-être pas couché, étant appelé à Norwood pour une affaire susceptible de me retenir assez tard. Et à 9h moins le quart, je sonnais chez celui que je crois pouvoir désormais appeler mon second père. Ah, oh, bonsoir, monsieur. Entrez donc. Si monsieur veut me donner son imperméable. Merci. Son chapeau. Voici. Merci. Entrez, monsieur. Excusez-moi, par un temps pareil, vous étiez sorti avec un imperméable? De nature, je suis assez prévoyant, il faisait tellement lourd que je craignais un orage. Pourquoi vous me demandez ça? Chaque détail a son importance. Continuez. Le dîner a été charmant. Le vieil amoureux de ma mère n'arrêtait pas de me poser des questions à son sujet. Il me racontait sur leur enfance une foule de détails que j'ignorais. Puis, nous sommes passés dans la chambre qui est au rez-de-chaussée à côté de la salle à manger. Mon hôte a ouvert son coffre-fort et il m'a montré tous les papiers qui pouvaient m'intéresser. Quand nous nous sommes quittés, il allait être minuit. Nous sommes dit au revoir dans l'entrée. Cette soirée, John, m'a fait beaucoup de bien. Comment vous dire ma reconnaissance, monsieur Holdècre? Ne parlons pas de ça. Allez, voici votre chapeau, votre imperméable et votre canne. Oh, comme elle est amusante, cette canne. Oh, ce serpent est sculpté avec une finesse. C'est un travail hindou. Oh, très joli. L'avez-vous acheté? Pour moi qui ne marche pas facilement, ma seule compagne, c'est ma canne. Oh, j'aimerais en avoir une du même genre. Dans ce cas, permettez-moi de vous offrir celle-ci, monsieur Holdècre. Je ne l'ai pas dit dans cette intention. J'en suis sûr. Mais à la fin d'une telle journée, rien ne pourrait me faire plus de plaisir que de vous prouver un peu de ma gratitude en vous l'offrant. Oh, alors je l'accepte. D'ailleurs, ce n'est qu'un prêt, puisqu'un jour, tout ce qui est à moi vous appartiendra. Je vous en prie. Comme je regrette de ne pas pouvoir vous coucher ici, John. Allez de ma part à l'hôtel du Cheval Bai. Vous y serez mieux que dans ma vilaine maison de célibataire. Bonsoir. Et puis? J'ai passé la nuit à l'hôtel. Et c'est dans le train tout à l'heure que j'ai appris par le journal le drame dont mon bienfaiteur venait d'être victime. Voilà. Quand ces papiers ont été sortis du coffre-fort, la fenêtre était-elle ouverte? Oui. Il faisait très chaud. Elle donne sur la rue? Oui. Je vous remercie. C'est tout ce que vous avez à nous raconter? Oui. Allez, policeman, emmenez-moi cet homme. Mais... Emmenez-le. Dites-vous bien, Monsieur MacFarlane, que seul le coupable sera puni. Oh, merci, Monsieur Holmes, merci. Allez. Que pensez-vous de tout cela, Monsieur Holmes? Je pense qu'il nous a dit la vérité, à moins que ce ne soit un fief et menteur. Ce que je crois nettement. Ah oui. Après tout, vous avez peut-être raison. Ne croyez pas une seconde, Lestrade, que parce que cet homme est venu se placer sous ma protection, j'ai pour lui un préjugé favorable. Nous avons peut-être affaire à un horrible individu. La vérité, c'est la seule chose qui nous importe, à vous et à moi, n'est-ce pas? Naturellement. Qu'est-ce que vous faites? J'examine le brouillon du testament, écrit au crayon par la victime. Sur ces feuillets chiffonnés... Ah, curieux... Hein, je peux lire les premières lignes, ces trois-là vers le milieu et les deux de la fin. Elles sont très nettes, mais dans les intervalles, l'écriture est affreusement tremblée. En effet. Allez, amusez-moi, quelles sont vos déductions à la Sherlock Holmes? Eh bien, voilà des lignes écrites dans un train.
Les mots lisibles ont été tracés pendant les arrêts dans les gares, ceux qui le sont moins pendant le trajet, et ceux qui ne le sont pas du tout ici vers la fin, indiquent nettement que le wagon passait sur des aiguillages. Je peux même vous dire qu'en supposant que tout le voyage ait été consacré à la rédaction de ce testament, le train était un express, car entre Norwood et Londres, il ne s'est arrêté qu'une fois. C'est ce qui s'appelle lire entre les lignes de chemin de fer. Hein? Vous ne trouvez pas curieux qu'un document aussi important ait été rédigé avec si peu de soin? Oui, en effet. Savez-vous ce que j'en déduis? Dites. Que celui qui l'a écrit ne devait peut-être pas lui attribuer toute la valeur que nous supposons. Bah, qu'est-ce qu'il vous faut? Un testament? Et pour moi, il n'y a pas de doute. En rédigeant ces papiers-là, le pauvre homme signait son arrêt de mort. Oui, tout ça n'est pas très clair. Comment pas clair? Voilà un garçon qui apprend qu'il peut hériter tout de suite d'une fortune assez coquette. D'autre part, je serais bien étonné que mon enquête ne découvre pas chez lui un besoin d'argent immédiat. Le jeu, les femmes, enfin, nous voyons ça tous les jours. Que fait-il? Il va dîner avec son bienfaiteur, il attend que la servante soit profondément endormie, et il le tue. Puis il traîne le corps jusqu'au tas de bois et il y met le feu. Seulement, il n'a pas vu les traces de sang sur le plancher et sur la canne. Tout ça est évident. Beaucoup trop. Comment beaucoup trop? Vous possédez d'immenses qualités, mon cher Lestrade, sauf peut-être une dose suffisante d'imagination. Voyons. Mettez-vous dans la peau de ce garçon. Vous choisissez, vous, le jour même, où un testament a été signé en votre faveur pour tuer votre bienfaiteur et établir ainsi une relation de cause à effet. Oh, allons donc. Et un soir, vous avez été vu par la domestique. Et vous oublieriez votre canne. Des criminels affolés commettent souvent ces imprudences. Admettons. Il y a peut-être une autre éventualité. Ah, laquelle? Pendant toute la soirée, la fenêtre est restée ouverte. Un passant a pu les observer et être tenté. Et il aurait tué pour voler? N'oubliez pas qu'il s'agit de papiers difficilement négociables. Avez-vous trouvé des valeurs? Non, aucune. Il y avait peut-être beaucoup de valeurs au porteur. Ah, McFarlane nous le dira. Mais votre histoire de passant, je n'y crois pas. Ah, qui sait? Eh bien, cherchez-le. Quant à moi, je vais rejoindre mon prisonnier et essayer d'en tirer quelque chose. Quand Lestrade fut parti, Sherlock Holmes bondit sur sa casquette prince de Galles et après avoir piqué au râtelier une courte pipe de Bruyère, il détala sans me dire un mot. Je ne m'en étonnais pas. Je connaissais mon oiseau. Il reparut vers midi avec dans l'œil une petite lueur de satisfaction. Il répondit tout de suite à la question que je me serais bien gardé de lui poser. Je viens de Blackheath, Watson. J'ai été voir les parents de John McFarlane. Je n'ai trouvé que la mère, je lui ai tout raconté et bien entendu il est convaincu de l'innocence de son fils. Je l'ai aussi interrogé sur ce monsieur Holdacre. Nous avons pour ainsi dire été élevés ensemble, oui monsieur. Il m'a demandé en mariage. Je n'aimais pas son caractère et j'ai eu envie de refuser, mais parce qu'il était boiteux, qu'il en souffrait atrocement et que je savais quelle nouvelle blessure je risquais de lui faire, j'ai accepté, malgré le peu d'enthousiasme de mes parents. Une date fut choisie pour nos fiançailles. Pourtant, vous ne l'avez pas épousé. Oh, monsieur Holmes, il est mort. Ou tout au moins, il y a de fortes raisons de le supposer. J'aimerais autant n'en plus parler. Justement, cette réserve me donne envie d'en savoir davantage. Mais, monsieur... Parlez, madame, je vous en prie, ne me cachez rien. Si vous voulez que j'arrive à prouver que votre fils est innocent, le moindre élément m'est utile. Eh bien, monsieur, je vais tout vous dire. Il est possible qu'en vieillissant, Jonas Holdacre ait beaucoup changé et que, sachant qu'il n'en avait plus pour longtemps, il ait voulu effacer les mauvaises actions de sa jeunesse par un acte de bonté. Il a eu une jeunesse orageuse? Orageuse n'est pas le mot. Il était très intelligent et ses parents n'ont jamais eu à s'en plaindre, car ils ne voyaient pas leur fils tel qu'il était. Hypocrite, menteur, sournois et surtout, monsieur Holmes, cruel. J'ai toujours eu l'impression qu'il voulait se venger de cet accident qu'il avait diminué physiquement. Quel accident? Il était passé sous un tombereau à l'âge de 8 ans et il avait une jambe écrasée. Depuis, elle était plus courte que l'autre. À l'école, on n'est pas tendre pour les estropiés. Il réagissait cruellement et en avait gardé l'habitude. Il avait une excuse, je le sais. En acceptant de l'épouser, je gardais le secret espoir de le rendre meilleur. Mais quelques jours avant nos fiançailles, pour s'amuser, pour voir, il a lâché un chat enragé dans une cage de tourterelles. J'étais tellement horrifiée par le carnage que j'ai rompu.
Peu de temps après, je faisais la connaissance de mon mari et le matin de mes noces, Jonas m'a envoyé une photographie de moi complètement lacérée avec sa malédiction. En léguant sa fortune à votre fils, il montre qu'il vous a pardonné. Puissiez-vous dire vrai? Après m'avoir relaté cette conversation, Sherlock Holmes me demanda de l'accompagner à Norwood. 10 minutes plus tard, nous étions à la gare de London Bridge et vers 3 heures, nous arrivions à la maison de l'entrepreneur. C'était une bâtisse en briques dont la façade donnait sur la rue. Derrière, vers la gauche, il y avait un grand jardin et à droite, des ateliers et un large terrain au milieu duquel fumait un énorme tas de cendres. La chaleur qui s'en dégageait ne permettait pas encore de s'en approcher. Sherlock Holmes se fit connaître de la servante, une assez belle fille d'une 30aine d'années, d'un abord très peu sympathique. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, je dormais. À quelle heure êtes-vous allé vous coucher? À 10 heures, après ma vaisselle. Il y a longtemps que vous êtes au service de Monsieur Holdacre? 2 ans. Quand il partait en voyage, je suppose qu'il vous en prévenait. Naturellement. Et cette fois-ci, il ne vous a rien dit? Non. Comment expliquez-vous sa disparition? Il a été tué et brûlé, vous le savez bien. Sur quoi vous appuyez-vous pour affirmer une chose pareille? Les taches de sang ici, dans cette chambre et sur la canne, ça ne vous suffit pas. Et puis la police a vu dehors sur le sable qu'on avait traîné le corps jusqu'au bûcher, alors... Oui, ces traces, je les ai vues moi aussi. Voyons ces papiers. Regardez, Watson. Oui. Voici le carnet de chèque de M. Holdacre. Vous ne trouvez pas curieux qu'il ait retiré d'aussi grosses sommes depuis 10 jours? Oui. Voyez, 1 000 livres, 1 500 livres, 3 700 livres, et toujours à l'ordre de lui-même. Il ne reste plus grand-chose à son compte en banque. Monsieur m'a dit que les événements politiques l'inquiétaient, et il a fait rentrer des pièces d'or. Ça faisait des sacs et des sacs qu'il a enfermés dans son coffre-fort. Mais McFarlane ne nous a pas parlé de ces pièces d'or. Pardi. Évidemment. Évidemment, oui, s'il les a volées. En effet, c'est ennuyeux qu'il ne nous en ait pas parlé. Dites-moi, mademoiselle, vous êtes sûre que de l'incendie se dégageait une odeur de chair grillée? Oh oui, monsieur, je le jure. Les pompiers eux-mêmes en étaient bouleversés. Quelle impression vous a fait ce monsieur qui est venu dîner hier soir? Il avait des yeux bizarres. Non, mais son comportement en général. Il m'a fait l'effet d'être très nerveux. Et de votre chambre, vous n'avez rien entendu? Aucune lutte, aucun cri? Non. Connaissiez-vous des ennemis de votre patron? Oh non, monsieur était si bon pour tout le monde. Ah, voilà enfin de l'orage, si ça pouvait rafraîchir l'atmosphère. En regagnant la gare, de grosses gouttes s'écrasaient sur le sol et quand le train partit, une pluie serrée se mit à tomber. L'orage avait déjà fait des siennes sur Londres. La température baissait et toute la nuit, nos carreaux furent cinglés par des averses. Le lendemain matin, enfin, nous pouvions respirer. Quand j'entrais dans le salon pour prendre mon breakfast, Sherlock Holmes avait déjeuné et il jouait du violon. C'était souvent chez lui une façon de réfléchir. Bonjour Watson. Bonjour Holmes. Allez, encore un peu de thé, Holmes? Non, non, merci. Lestrade est en train de m'envoyer une dépêche. Oui, comment le savez-vous? Il a plu toute la nuit. À Norwood, le bûcher est bien éteint et Lestrade y a sûrement trouvé quelque chose. Dans ces cas-là, il me demande toujours mon avis. Mm-hmm. Possible. Non, décidément, je préfère le thé chinois. Tenez, qu'est-ce que je vous disais? J'y vais. Il n'y a pas que des télégraphistes à Londres. Merci, mon petit.
C'est un télégramme. De Lestrade. Vous êtes de mèche avec le diable. Venez à Norwood, il y a du nouveau, signé Lestrade. Nous filons à la maison de l'entrepreneur et, dans le salon, nous trouvons Lestrade aux prises avec McFarlane. Alors tu nies, même devant l'évidence. Je te ferai avouer, moi, je te le jure. Je vous assure que je n'y comprends rien. Ah, monsieur Holmes, enfin vous. Voilà, monsieur Holmes. Bonjour, docteur. Bonjour, Lestrade. Bonjour, Lestrade. Il y a du nouveau ? Oui, regardez. Un mouchoir taché de sang ? Oui, et aux initiales de cet individu, voyez. J.M.F. John McFarlane. Et monsieur dit qu'il n'y comprend rien. Où l'avez-vous trouvé ? Derrière la porte de l'entrée, par terre. La première fois quand vous êtes venu, vous n'aviez pas vu ce mouchoir ? Non, dans ce coin-là, on y voit goutte. Voyons, monsieur McFarlane, comment expliquez-vous sa présence à cet endroit ? D'abord, il est bien à vous. Oui, mais je ne comprends pas comment on l'a trouvé là et plein de sang. N'était-il pas dans votre imperméable ? Mais oui, c'est vrai. Il est peut-être tombé. Et le sang ? C'est moi qui l'y ai mis ? Monsieur McFarlane, si c'est vous le coupable, dites-le. On vous en tiendra compte, vous le savez bien. Et puisque je vous dis que je suis innocent ! Et les ossements que j'ai trouvés dans la cendre ? Les ossements ? Oui, monsieur Holmes. La pluie qui n'a pas cessé depuis hier a refroidi les cendres. Nous les avons passées au crible. Retournez-vous et vous verrez sur cette table amplement de quoi faire pendre cet assassin. Tenez. Là. Vous voyez ? Regardez. D'abord, une bonne douzaine de boutons, marqués Jans. C'est le nom du tailleur de la victime. Enfin, vous avez là, dans cette toile, toute une série d'ossements. Il n'y a que l'embarras du choix. Voilà. Voilà tout ce qui reste de ce pauvre homme. En effet. Et le crâne est à part, là, dans cette toile. Et qu'est-ce que vous regardez, Holmes, avec tant d'attention ? C'est deux tibias. Ouais, les tibias, ils n'ont rien d'extraordinaire. C'est bien ce que je me dis. Et alors ? Alors ? Rien. Allez, policeman, ramenez-moi le prisonnier, son compte est bon. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, je vous jure que ce n'est pas moi ! Allez. Je pense qu'avec ces preuves, vous êtes convaincu, monsieur Holmes. Un garçon si gentil, hein. Qui l'aurait cru ? Avouez que vous ne le croyez pas coupable. J'avoue. Mais tout n'est peut-être pas dit. Comment ? Bonjour, messieurs. Excusez-moi de vous déranger, mais je rentre de voyage et j'apprends que dans cette maison, il y a eu un incendie. En effet, monsieur. Qui êtes-vous ? Le nouveau propriétaire. Comment, le nouveau propriétaire ? Oui, monsieur Holdeck, on m'a vendu sa maison il y a 8 jours. Il n'y a pas de dégâts, j'espère. Ah non, rassurez-vous, juste un tas de bois qui a brûlé dans la cour, c'est tout. Ah bon, j'étais inquiet. Vous attendiez que monsieur Holdeck est mort, brûlé au cours de cet incendie ? Non. Oh, le pauvre homme. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ben, on ne le sait pas encore très exactement. Ainsi, il vous avait vendu sa maison ? Oui. Il y a 10 jours ? Oui. L'acte de vente est signé ? Oui, et enregistré. Curieux, ça. Comment l'avez-vous payé ? Eh bien, en pièces d'or que j'ai remises à M. Holdeck le jour de la vente. Il voulait donc quitter Norwood ? Eh oui, il avait décidé de se retirer dans son pays, en Écosse. Et quand deviez-vous occuper la maison ? Il m'avait demandé un délai de 3 mois que je lui avais accordé volontiers. Lestrade, voulez-vous me permettre de poser une question à monsieur ? J'en prie. Confidentiellement, monsieur. Savez-vous si Betsy, sa servante, l'aurait suivi là-bas en Écosse ? Confidentiellement, je le crois, oui. Maintenant, vous savez, les gens disent tant de choses. Oui. Et puis après tout, il était célibataire. De retour à Londres, avant de quitter la gare de London Bridge, Sherlock Holmes y consulta un annuaire des professions. Puis il appela un cab. Il jeta une adresse et le cocher nous arrêta dans une rue proche de la faculté de médecine. Il entra dans une boutique où l'on vendait des animaux empaillés, des instruments de chirurgie et des moulages du corps humain. Il en ressortit soucieux et indiqua au cocher une autre adresse. Même genre de magasin, même déception de mon ami. Enfin, dans un troisième, il demeura plus longtemps et cette fois je le vis sortir avec un petit sourire de satisfaction. Voyez-vous, Watson, dans ce magasin, ils ont vendu il y a 2 jours un squelette à un certain monsieur Cornelius. Et qui est-ce ?
Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce monsieur Cornelius marchait avec une canne parce qu'il boitait. Un autre boiteux ? Mais serions-nous sur une affaire analogue à notre fameuse Ligue des Rouquins ? Sait-on jamais. Visiblement, Sherlock Holmes avait son idée et il n'était pas pressé de m'en faire part. Il me réservait certainement un coup de théâtre et se réjouissait à l'avance de ma surprise. Et bien qu'il fût déjà tard, il m'entraîna de nouveau vers Norwood. Sur le pas de la porte de l'entrepreneur, nous rencontrâmes Betsy, la servante, qui rentrait. Bonsoir, messieurs. Je viens de m'acheter une robe de deuil. Vous aimiez beaucoup votre maître, n'est-ce pas ? Il a toujours été très bon pour moi. Ces messieurs de la police doivent être encore là, je vais les prévenir. N'en faites rien, j'aimerais, Betsy, voir votre chambre. Ma chambre ? Mais pourquoi ? Simple curiosité. Allez, nous vous suivons. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Montrez-nous le chemin. Une fois dans la chambre, Sherlock Holmes se livra à une perquisition en règle, sous les yeux de Betsy, pâle de fureur. Vous vous demandez ce que je cherche, Watson ? Eh bien, je n'en sais rien moi-même. Mais j'ai comme l'impression que je devrais trouver ici le maillon qui manque à ma chaîne. D'où vient cette impression ? Et mon nez, Watson, qu'est-ce que vous en faites ? Il continuait à chercher. Deux lueurs d'acier dans le regard, les épaules voûtées, et sur son cou allongé, les veines saillaient comme des mèches de fouet. Et ses narines se dilataient comme celles d'un chien de chasse. Oh, Watson ! Quoi ? Regardez ce petit papier qui a été glissé dans ce livre de prière. Tenez, lisez. Monsieur Cornelius 92, promenade des Anglais ? Nice ? Mais qui est-ce ? On me dit que vous êtes ici, monsieur Holmes. Oui, mon cher Lestrade. Prenez connaissance de ce papier que je viens de trouver dans ce livre. Merci. Qui est ce Cornelius ? L'assassin de monsieur Holdeck. Hein ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ma méthode. Il aurait fui en France ? À Nice, oui. Alors, Betsy, vous êtes sa complice ? Oh, mais monsieur, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Comment expliquez-vous la présence de ce papier dans votre livre de prière ? Je ne sais pas. Quelqu'un l'a mis là, j'ignore dans quel but. Nous le saurons bientôt, je vous le garantis. En attendant Lestrade, si j'ai un conseil à vous donner, saisissez-vous de cette fille et partons immédiatement pour Nice. Le surlendemain, Sherlock Holmes, Lestrade et moi, nous étions sur la promenade des Anglais. Nous trouvons au 92 une villa qui ressemblait à un gâteau à la crème chantilly. Nous sonnons. Pas de réponse. Curieux. Pourtant, les volets sont ouverts. Il n'y a peut-être personne ? À moins que le gaillard nous ait aperçus et qu'il ne veuille pas ouvrir. Vous avez sûrement raison, Lestrade. Entrons quand même. Ah oui, mais comment ? Ce ne sera pas la première fois que je crochète des serrures. Sherlock Holmes nous montra tout de suite qu'il connaissait à merveille le métier de cambrioleur. Et la première chose que nous vîmes dans le salon fut une photographie de Betsy, la servante de la victime. Je vous rends les armes, monsieur Holmes. Voilà une photographie qui nous prouve que Betsy est bien complice de l'assassin de monsieur Holdeck. Mais parbleu ! Ils l'ont tué, brûlé et volé, et leur intention était de finir ensemble leur jour au bon soleil du midi. Les voyous. Nous parcourons toutes les pièces qui visiblement étaient habitées. Personne. Arrivé devant la porte du grenier, impossible d'ouvrir. L'assassin s'est enfermé là-dedans. Oui. On enfonce la porte. Non, non. Non, on va le faire sortir tout seul. Comment ? Vous allez voir. Dupont ! Votre allumette ! Votre allumette, nom d'un chien ! De l'eau ! Ah, vite, 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 ça brûle, de l'eau ! Courez chercher de l'eau ! Allez, allez, criez avec moi. Au feu ! Au feu ! Au feu ! Au feu ! Au secours !
Le feu ou ça? Oh, les mains, vous. Mais il n'y a pas de feu. C'était un truc, mon cher monsieur, pour vous faire sortir. Allez, Lestrade, les menottes, vite. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous accuse d'être l'assassin de monsieur Holdeck. Quoi, assassin, moi? Mais je vous jure que non. Vous n'avez pas assassiné monsieur Holdeck? Je te jure sur Dieu qui m'entend. Menteur, espèce de menteur. Non, Lestrade, non, ce n'est pas un menteur. Il n'a pas assassiné monsieur Holdeck. Ah, vous me croyez, vous, monsieur? Allons, dites-nous pourquoi vous n'êtes pas l'assassin de monsieur Holdeck. Allons, un petit effort. Parce que Holdeck, c'est moi. Quoi? Comment? Effectivement, messieurs, je vous présente monsieur Holdeck. Mais s'il n'est pas assassin, en fait, c'est une des plus abominables crapules que j'ai jamais connues. Il voulait sortir en France, sur la Côte d'Azur, avec Betsy, sa servante maîtresse. Mais avant, il avait une vieille vengeance à assouvir. Sa haine contre Eva MacFarlane, qui ne l'avait pas épousée, était toujours aussi vivace. Alors, dans son esprit démoniaque, est née l'idée d'une horrible farce. Faire accuser d'assassinat le fils de celle qu'il aimait. Un fils pendu, quelle belle vengeance, n'est-ce pas? Alors, il monte la blague du testament. Il invite John MacFarlane à dîner et il garde la canne. Une fois son hôte parti, il renverse sur le plancher de sa chambre quelques gouttes de sang d'un animal quelconque et il en enduit légèrement la canne. Il imite sur le sable de la cour la traînée d'un corps. Il jette sur le bûcher des boutons de pantalon, des morceaux de viande et un squelette qu'il a acheté chez Morrison et compagnie. Il met le feu et part pour Nice. Betsy l'y rejoindra. C'est elle qui donne l'alarme. Et la police trouve les marques de sang, les boutons, les ossements, et indice accablant pour John MacFarlane, son mouchoir que Betsy a volé dans l'imperméable pendant le dîner et a déposé derrière la porte de l'entrée après l'avoir taché de sang. Avouez qu'il y avait de quoi s'y méprendre. Bien sûr. Seulement, j'ai découvert, moi, chez Morrison et compagnie, qu'un squelette avait été vendu à un certain Cornelius. Ce qui ne me disait absolument rien. Mais ce Cornelius boitait. Ce qui me disait quelque chose. En supposant que Cornelius et Holdeck fussent une seule et même personne, tout s'expliquait et la farce étant jouée, sans aucun doute, Holdeck allait vivre ailleurs, sous un faux nom. Et il avait sûrement laissé son adresse à Betsy pour qu'elle aille l'enjoindre. Cette adresse, je l'ai trouvée dans le livre de prière de l'aimable fille. Voilà, messieurs, comment nous sommes ici. Mais qu'est-ce qui vous a fait deviner qu'il y avait supercherie? Oh, c'est très simple. Je savais qu'Holdeck avait une jambe plus courte que l'autre. Or, les deux tibias trouvés dans les cendres étaient exactement d'égale longueur. Ce ne pouvait donc pas être Holdeck. Et votre imagination a fait le reste. Ah, cette imagination. Eh, on dit que c'est la folle du logis. Avouez, Lestrade, qu'en l'occurrence, elle n'était pas dépourvue de sagesse. Dans la série « Les enquêtes de Sherlock Holmes », vous venez d'entendre « L'entrepreneur de Northwood », d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud, prise de son Jean Pantaloni, réalisation Abderisker. Avec Maurice Tenac, Sherlock Holmes, Pierre Mondy, Dr. Watson, Georges Hubert...